suis très content d'être ici pour vous parler du coup de ma passion qui est l'illustration. Du coup, le thème que j'ai choisi d'aborder, c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question, c'est est-ce que tu dessines depuis que tu es gamin? Est-ce que tu as fait des cours de dessin quand tu étais gamin, etc. Et toujours la réponse, c'est pas du tout. Je suis devenu en fait illustrateur grâce au numérique et aujourd'hui, je dessine sur papier, sur tableau, etc. Du coup, pour définir un peu qui je suis, alors du coup, moi, je suis un pur produit numérique. J'ai fait une école digitale, totalement digitale. C'est là que j'ai découvert Adobe et les choix, même la vision, etc. Donc, c'est des illustrations qui sont dans un style assez minimaliste. Je pars du principe que j'aime bien dessiner assez rapidement pour avoir un maximum d'émotions et surtout parce que je suis assez fainéant. Et que derrière, en fait, j'ai toujours cherché en fait, à pouvoir dessiner dans la rue, à la craie, à la bombe, etc. Pour vraiment pouvoir, en fait, finalement, mettre ma patte un peu partout et facilement en quelques instants. Donc, vous pouvez me voir sur Instagram, toutes mes créas, etc. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de mon parcours. Donc, je suis jeune, mais j'ai vécu pas mal de choses pour savoir mon évolution, etc. Alors déjà, en fait, pour me définir, je suis plusieurs facettes. J'aime bien les chats. Du coup, je suis illustrateur. Donc ça, c'est ma passion. Je suis graphiste, donc je bosse sur Adobe toute la journée. Et à côté de ça, je suis entrepreneur. J'adore créer des projets. Et je pense que c'est ça qui est une belle opportunité grâce à Adobe, c'est de pouvoir, en fait, avec une suite globale, de pouvoir en fait, utiliser différents logiciels, que ce soit la photo, la vidéo, le graphisme, la retouche photo, etc. Donc du coup, j'ai monté plusieurs projets. Donc ça va de la marque d'événements avec Maison Primaire, Sèche-Larmes, des mouchoirs brodés à la main, Tirefest, mon agence de communication. Vraiment sympa, un blog qui met en avant les commerçants rennais, parce que je suis rennais. Donc voilà, tout ça vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc du coup, pour commencer, j'aime bien prendre cette image, c'est que quand j'étais gamin, je n'étais pas du tout passionné par l'art ou la création. Moi, mon seul kiff, c'était jouer aux jeux vidéo et inventer des putains d'histoires avec mes Playmobil, mes jouets, etc. C'était vraiment mon bonheur et je passais ma vie à faire ça. Pour moi, la créa, la peinture, etc., et même les cours d'art plastique, ça ne m'intéressait pas trop. Je trouvais que les choses étaient vraiment trop fermées et trop scolaires. Et du coup, je me suis tourné jusqu'à mes 18 ans, vraiment, à manger, à jouer aux jeux vidéo et à jouer avec des jouets, etc. et inventer de belles histoires. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était plutôt la partie storytelling plutôt que juste finalement créer. Donc j'ai commencé avec un logiciel. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui ont testé. Avant de commencer avec Adobe, j'ai commencé avec Photofiltre. Donc je l'avais craqué. J'avais 16 ans et j'étais au lycée. Je devais faire mon TPE, je crois. Et du coup, je voulais faire des montages. Et du coup, j'ai commencé avec Photofiltre. C'est pas moi qui les ai faits, j'ai trouvé ça sur Internet. Mais en vrai, c'était vraiment mes premiers pas avec la création. Et là, je me suis rendu compte, punaise, c'est assez cool. Et en fait, ça m'a vraiment amené à me dire, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je me rendais compte qu'un petit montage, il faisait marrer mes potes. Que d'ailleurs, ça m'amusait, surtout que je pouvais créer des choses sans savoir dessiner. Et du coup, je me suis inscrit dans une école digitale. Donc vraiment, quand je suis entré dans cette école, il y avait vraiment un seul message, c'est que je pouvais le faire. Même sans avoir aucune base dans la création, eh ben, je pouvais créer. J'étais libre avec plein d'outils. Donc, on a commencé avec Flash. Je ne sais pas s'il y a un certain qui connaissait, parce qu'il est bien mort. Mais du coup, on a commencé avec Flash à créer des sites, des animations, etc. Et très vite, je me suis rendu compte que c'est là-dedans que je voulais aller. Et surtout, on avait des possibilités assez folles. Je pense que tous ces logiciels nous permettaient finalement de créer et de pouvoir aller au bout de ses rêves. Et finalement, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé sur tous les logiciels. Très longtemps, j'ai fait pas mal de tutos, j'ai trouvé pas mal de tutos, etc. J'ai vu qu'Adobe aujourd'hui en fait maintenant directement les logiciels, mais c'était quelque chose qui m'a vraiment passionné et qui m'a permis en fait aujourd'hui de me dire c'est très cool parce que du coup maintenant on peut faire du coup du montage, vidéo, effets spéciaux, etc. Et tous ces logiciels, un par un presque, j'ai appris à les maîtriser. Donc j'ai testé un peu tous les logiciels, je me suis rendu compte que j'étais plus Illustrator que Photoshop, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup Lightroom récemment pour faire de la photo, de la vidéo, etc. Et une fois que j'ai fini mes cours, j'étais trop heureux parce que du coup, j'avais fait 3 ans de belles études, j'avais fait des stages, des alternances, etc. Et je pouvais être graphiste. Du coup, je me suis mis comme graphiste freelance. La joie totale. Ça a passé 6 mois à trouver des clients, à gérer les choses. Gros bonheur. Et je pense que j'étais vraiment très heureux. Mais au bout d'un an, j'ai carrément cramé parce que je me suis rendu compte que j'étais pas en burn-out, mais j'en avais marre de cette relation que j'avais avec les clients. Je trouvais qu'il y avait des besoins qu'ils avaient, mais finalement, ce que je voulais exprimer, toute la créativité que j'avais accumulée depuis le départ, finalement, elle n'était pas forcément pour le positif, mais plutôt pour un besoin qu'ils avaient eux, et je n'avais pas forcément la maturité et l'expérience pour les guider vers quelque chose de particulier ou quelque chose qui pouvait les intéresser. Et finalement, du coup, j'ai décidé d'arrêter, et je me suis dit, Ben, il faut vraiment que tu reviennes un peu à la base, et c'est là que je suis revenu au papier.
vraiment me disant, j'ai accumulé plein de compétences du coup dans le numérique, et finalement, je veux revenir à quelque chose de plus basique, quelque chose qui est vraiment la base de la créativité, c'est une feuille blanche avec un crayon. Donc là, c'était moi, après avoir tout quitté, je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai monté des projets, je m'amusais à dessiner, toujours de manière assez simple. Du coup, là, c'était ma chambre, du coup, je m'enfermais dedans, je dessinais tous les journées, j'étais en coloc, donc j'avais mes colocs qui étaient dans le digital, qui me stimulaient pas mal. Et derrière, en fait, j'avais des kiffs, du coup, je prenais des feuilles, je peignais dessus, etc. Et c'est là que j'ai pris conscience d'une chose, c'est que mon trait et mon tracé seraient toujours quelque chose d'assez simple. Donc, je me suis pas mal cherché. Donc, c'est pas mon style actuel, mais j'ai cherché pas mal de choses, j'ai testé, on va dire. Comme je ne savais pas forcément dessiner à la main, c'est là que j'ai appris à peindre. C'est là que j'ai appris à manier les couleurs, manier les textures, savoir après ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire. Voir que j'étais toujours avec une bière. Ça me présente bien. Du coup, on faisait du collage du coup dans Rennes, etc. Donc, on s'amusait plutôt bien. Et en fait, il y a un projet qui m'a plutôt bien marqué, c'est que j'ai acheté une tablette. Donc, c'était une Wacom. Donc c'était mon premier investissement, c'était avec mes contrats, l'argent que j'avais eu. J'étais tellement heureux avec cette tablette, c'est que du coup, en fait, j'ai réussi à transposer ce que je dessinais en papier, du coup, en numérique. Donc avec les pinceaux, les brushes, etc. Je pouvais bien m'amuser à créer vraiment quelque chose de particulier, quelque chose qui va me présenter. J'ai pas mal bossé là-dessus et du coup, je m'amusais à scanner du coup des tracés que je faisais sur une feuille. Et derrière, ces tracés-là, je les mettais sur Photoshop, ce qui me permettait du coup d'avoir le tracé à la main directement du coup en numérique. Et c'était un vrai kiff, surtout avoir la petite gomme au bout pour pouvoir gommer facilement, etc. Et je faisais vraiment tout avec, hein, même pour l'appréhender, etc. Je m'amusais du coup à fermer des interfaces utilisateurs donc sur UX, etc. Donc c'était assez marrant. Et du coup, après, je me suis lancé des projets. Donc maintenant, j'avais tous les outils pour faire, mais vraiment, j'étais vraiment très à l'aise. Et je me suis lancé des challenges. Donc là, vraiment, j'avais pas de clients. J'étais vraiment en mode, je prends le temps pour moi. Et en fait, je me suis dit que j'allais monter. Voilà, c'était un t-shirt par jour que je vendais en un seul exemplaire. Donc c'était pas du tout pour faire de l'argent. C'était plus pour développer ma créativité et me forcer à créer des nouveaux visuels, etc. Donc j'étais vraiment dans le côté jeu de mots, etc. Et derrière, quand j'ai vu que ça commençait à se vendre, j'étais plutôt content. On a toujours ce côté un peu fier de réussir à vendre ses dessins. Et c'est vrai que sur Instagram, j'ai commencé à pousser la chose. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, on y va. Et du coup, j'étais assez régulier. Je publiais beaucoup de choses. Et en fait, finalement, c'était assez cool. C'est que, en gros, avec mes colocs, on avait envie de créer une marque. Depuis toujours, on se disait, le textile, c'est assez intéressant. On avait des potes à nous qui avaient une usine de façonnage qui permettait de faire de l'impression sur des t-shirts. Et en fait, on s'est dit, allez, on se lance. Et en fait, on a créé une marque qui s'appelle Maison Primaire, qui s'appelle du coup, c'était vrai de l'amour. On était quatre colocataires, on aimait créer ensemble. Et en fait, on a créé une marque qui, d'ailleurs, reprenait du coup mes dessins. Et en fait, on a décidé de les commercialiser et de les vendre. Et en fait, la marque a cartonné, qu'elle cartonne toujours. Et ça nous permet vraiment d'avoir de la visibilité. Donc en fait, on faisait tout nous-mêmes. Donc à la main, la vidéo, c'était avec notre smartphone ou les grilles, vraiment à l'arrache, etc. On enregistrait le son nous-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec ce projet-là, je me suis rendu compte que finalement, mes dessins, je pouvais les vendre à plus grande échelle et que ça pouvait intéresser les personnes. Et finalement, presque, je pouvais vivre de l'illustration. Et là, c'était vraiment cool, c'était très satisfaisant. Surtout que quand tu as des retours positifs, hein, grâce aux réseaux sociaux, notre ego, ça le flatte toujours. Je pense qu'on est toujours très content. Et là, c'était notre première collection qu'on a shootée du coup à Barcelone. On était parti du jour au lendemain à faire ça, et en fait, on s'est rendu compte que c'était un monde qui était assez fascinant de pouvoir faire ce qu'on voulait, vivre notre passion, se lever à midi, manger des pizzas, boire des coups, shooter, etc. Et c'était vraiment on va dire, de cet environnement que je voulais évoluer. Et du coup, j'ai poussé les choses au point que juste après, j'ai carrément changé de style. Donc, c'est toujours pas le style actuel, mais j'ai décidé de tout laisser tomber. Et en fait, j'ai passé, on va dire, facilement 4 jours devant une glace. À me regarder et en essayant de dessiner moi-même ce que je me représentais, donc un être humain. Et en fait, je suis parti toujours de la forme ronde. Je me disais que ma tête, quand on apprend à dessiner quand on est gamin, on fait toujours des ronds, donc c'est assez facile. Et derrière, on met des formes, on met les épaules, etc. Et en fait, on fonctionne que par des ronds. Donc en fait, en gros, je me suis un peu saigné à créer plein de choses. Et je faisais en plus, du coup, des podcasts, donc flemme, parce que j'avais flemme de faire plein de choses. Donc c'était assez intéressant et je faisais, voilà, c'est vraiment, je me disais que, on va dire, les fainéants et les flemmards, c'est les meilleurs créatifs parce qu'en fait, on trouve toujours des façons de faire différentes pour en faire moins. Donc, on trouve toujours des raccourcis, etc. Et du coup, c'est vraiment là-dedans que je me complaisais. Et du coup, je me disais qu'il y a beaucoup de flemmards qui sont parmi nous. Je pense que même parmi vous, quelques flemmards. Et en fait, on trouve toujours un moyen de repousser, etc. Et en fait, du coup, je me motivais, je créais. Donc là, vraiment, pour le coup, je me consacrais à 100% à ça. Et en fait, grâce à la magie d'Instagram, j'ai été contacté pour me faire ma première expo, donc il y a 2 ans.
Honnêtement, j'avais jamais peint en public. Et en fait, en gros, l'expérience était juste folle. C'est que j'étais au milieu d'une grande pièce. Les gens pouvaient rentrer comme ils voulaient. Au départ, on a commencé la journée avec un mur avec aucun dessin. Et je devais dessiner, du coup, passer ma journée à dessiner, à produire en live devant des personnes qui, eux, parce qu'en fait, c'était pendant un même événement d'illustration à côté. Du coup, il y avait plein de galeries qui cartonnaient autour. En fait, en gros, c'était assez perturbant parce qu'il y avait vraiment des experts. Donc, il y a certaines personnes qui se sont permis de me dire que j'utilisais des mauvais pinceaux, que je mettais trop d'eau, etc. Pour le coup, j'en rigolais, mais au fond de moi, j'étais un peu en mode, c'est compliqué. Et en fait, eh ben, ça m'a permis juste de me dire que, eh ben, juste avec des outils, même si on l'utilise très mal, eh ben, on peut créer des choses assez intéressantes. Et ça m'a poussé, en fait, à développer ce que je voulais faire, ce que je voulais faire plus tard. Surtout, en fait, c'était une belle opportunité qui me disait que finalement, au-delà de ça, on est tous créatifs, on est tous peut-être graphistes dans un métier principal. Mais derrière, en fait, quand on réussit à trouver une passion qui nous anime et qui nous pousse en fait à nous développer, surtout à faire des nouveaux choix, faire des expérimentations, oser créer, eh ben, finalement, tout peut nous sourire. Parce que moi, je ne m'y attendais pas du tout de faire une exposition. C'était un gros hasard. C'est quelqu'un qui avait écouté un de mes podcasts qui disait bah, c'est cool de faire ça dans un événement, etc. Et du coup, bah, c'était la vitrine DD à Paris. Merci à eux. Après, du coup, encore un changement de style, j'avais besoin de couleurs dans ma vie. J'avais besoin de créer autre chose, de développer, etc. Et en fait, je me suis dit, là, c'est un peu le moment un peu, je dirais, bâtard de mon illustration. C'est que, du coup, je suis revenu du coup à du digital, donc je peignais beaucoup, etc. Et je me suis dit, bon, bah, du coup, maintenant, je maîtrise les codes, je vais commencer à pouvoir dessiner, je vais pouvoir commencer à tester différentes choses. Et là, je suis arrivé dans une dynamique un peu plus commerciale. Je me suis dit, je fais l'illustration, peut-être moyen d'en faire un peu d'argent. Du coup, eh ben, j'ai créé du coup un style qui finalement, je me suis rendu compte qu'il ne me plaisait pas forcément, qui n'était pas forcément moi. Parce que ben, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup ailleurs et même j'avais du mal à me reconnaître et surtout à le décliner parce que du coup ma première série était très bien mais j'avais du mal à la décliner et à la booster dans d'autres éléments etc. pour d'autres personnes finalement ben, je me suis rendu compte que c'était une aventure qui me plaisait beaucoup mais je voulais un peu me recentrer sur des choses qui me plaisaient un peu plus et du coup aujourd'hui j'ai pris un gros break et surtout je me suis c'était pas un gros gros break, mais c'était un break. J'ai fait un espèce de vide un peu intérieur, etc. C'était que derrière, en fait, hein, je me suis posé la question de ce que je voulais faire et ce que je voulais faire de l'illustration. En fait, hein, je suis revenu du coup au graphisme. J'avais totalement arrêté, j'avais dit plus jamais je serai graphiste, etc. C'était faux. Je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, bah, j'avais la capacité, avec tout ce que j'avais créé, de dire pourquoi à telle personne, c'était pas forcément ça qu'il fallait faire. Donc j'avais pris la maturité, l'élan nécessaire pour pouvoir faire plutôt la direction artistique, ce qu'aujourd'hui on fait. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le contact humain, de pouvoir échanger avec des personnes comme vous, etc. Et surtout, du coup, faire de la formation. En gros, eh ben, ce qu'on faisait, c'était du coup des formations dans différents domaines. Du coup, on a monté une agence en social media parce qu'on se rendait compte qu'avec tous nos comptes, on touchait plutôt pas mal, on se débrouillait, etc. Et du coup, on voulait enseigner du coup à des commerces. Et surtout, on voulait avoir ce côté ultra bienveillant que derrière, eh ben, je trouvais que ça manquait un peu. C'est qu'aujourd'hui, on pouvait vivre de nos projets, mais aujourd'hui, on ne donnait pas forcément assez. Du coup, on s'est dit qu'on allait créer, du coup, avec ma copine, un blog qui met en avant, du coup, les commerçants rennais, qui n'avaient pas forcément les moyens de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, mais surtout leur donner, en fait, une façon de communiquer différente, surtout s'intéresser aux propriétaires plutôt qu'aux commerçants lui-même. Et surtout, du coup, revenir à des origines qui étaient pour moi essentielles. C'était, par exemple, un tracé d'illustrateur qui me plaît, sur lequel je ne vais pas du tout avoir vocation d'en vivre ou de gagner de l'argent. Ça viendra comme ça viendra. Du coup, ça vient comme ça vient. Du coup, c'est cool parce que du coup, je ne suis pas dans un délire en me disant je fais ça, ce visuel-là pour que ça marche. Derrière, j'ai le poste de graphiste. Mais surtout, je peux dessiner. Et du coup, en fait, on peut reconnaître du coup mes personnages, etc. C'est quand même, je pars toujours d'un rond pour la tête, comme avant. Du coup, c'est un peu un mix des deux styles. De mes anciens styles. Et en fait, en gros, eh ben, je fais par exemple pour les épaules un nœud de rond, et ainsi de suite. Et en fait, du coup, je fais un tracé qui est très scolaire, un peu enfantin. Et d'ailleurs, eh ben, je fais toujours en noir et blanc, avec un peu de couleur, etc. Et surtout, je peux le décliner sur différentes plateformes. Par exemple, eh ben, là, c'était pour des planches pour du tatouage, etc. Et du coup, dernièrement, donc maintenant, il y a quelques mois, j'ai eu la chance du coup d'être contacté par Apple, où j'ai fait une conférence avec eux et j'ai pu parler du coup avec un échantillon de personnes, parler de l'iPad Pro, etc., de la façon de faire. Et c'était vraiment une expérience hyper enrichissante qui m'a montré juste une chose, c'est qu'en fait on a tous des beaux rêves et on peut tous faire des belles choses et que finalement, eh ben, il suffit juste d'avoir les bons outils, de se dire qu'on peut le faire. Par exemple, eh ben, aujourd'hui, eh ben, Adobe fait des versions d'essai. Que ce soit par exemple l'iPad Pro, eh ben, vous pouvez le tester chez Apple directement, etc. Il y a plein de possibilités. Et il ne faut pas forcément juste vous
être graphiste ou être doué en dessin pour pouvoir faire du dessin. Il faut juste prendre du temps, prendre du recul et se dire que en fait, tout est possible et que si un jour vous avez envie de juste changer de vie ou envie de tester un truc, bah, vous avez tous deux mains et vous pouvez le faire. Donc, du coup, ça rebondit un peu sur la vision que, de moi, mon avenir. C'est que je trouve qu'il y a tellement de choses possibles à faire encore. Je suis jeune, j'ai plein de possibilités, etc. Et même si je n'étais pas jeune du tout, et en fait, en gros, ben, là, notamment, on parlait juste avant de la 3D. Là, je suis en train d'apprendre à faire du modeling 3D. C'est une vraie galère. Mais genre vraiment, où j'ai rarement chié autant dans un projet que là-dessus. Et je le subis beaucoup. Et du coup, c'est hyper intéressant de se rendre compte que toutes les bases qu'on a apprises avant, eh ben, en fait, on doit toujours les remettre en question. J'ai mis ce slide-là, mais j'ai fait un beau message avant. Mais du coup, eh ben, en gros, c'est se dire juste qu'il faut s'émerveiller des petites choses et que se prendre toujours un peu de recul et être très humble sur tous les projets. C'est pas parce qu'on maîtrise bien quelque chose une fois dans sa vie que derrière, il ne faut pas se dire qu'on va pouvoir être émerveillé par autre chose. Donc aujourd'hui, ben, moi, je me sens un peu comme un petit gamin à qui on apprend plein de choses sur le modeling et je me sens très petit. Donc voilà. Merci.